son ballon d'or, le consacrant meilleur joueur algérien de l'année 2013 au chef de l'État. La cérémonie s'est tenue à Jenan El Mithaq, Rafiq Slimani. L'attaquant international algérien Islam Slimani a offert son ballon d'or, le consacrant meilleur joueur algérien de l'année 2013, au président de la République Abdelaziz Bouteflika lors d'une cérémonie organisée à Jenan El Mithaq à Alger. C'est un petit geste en direction du président de la République Abdelaziz Bouteflika qui ne ménage aucun effort pour la promotion de la jeunesse et du sport national. Le trophée du Ballon d'Or a été remis à Mohamed Ali Bourazi, conseiller à la présidence de la République. Le président de la République m'a chargé d'assister à cette cérémonie et de recevoir le trophée du Ballon d'Or de l'attaquant international algérien Islam Slimani. Ce geste traduit la reconnaissance de la famille footballistique algérienne pour les efforts déployés par le chef de l'État au profit du sport national, particulièrement le football. وسعيه الدؤوب من أجل ترقية الممارسة الرياضية في الجزائر وكرة القدم على وجه الخصوص. Je tiens au nom de tous les membres du gouvernement et en mon nom à féliciter le joueur de la sélection nationale Islam Slimani pour cette consécration. Au cours de cette cérémonie à laquelle ont pris part des membres du gouvernement et le président de la Fédération nationale du football Mohamed Raouraoua, le directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdel Ghani El Hamel, a été honoré pour son implication dans l'organisation des manifestations sportives et footballistiques. Le président du Conseil de la Nation, Abdel Ben Salah, a reçu aujourd'hui le président du Conseil des ministres du Yémen, Mohamed Salem.